Avant nous regarder les résultats et sondages côté menéen, moi t'ai ramené au fond présentation sur échantillon et la population côté interrogé sur qui méthode nous t'ai utilisé pour nous poser question yo, qui question qui t'ai posé et dans quelle période des sondages ça t'ai réalisé pour ce Zéphyr. D'accord. Merci monsieur Sénat. Donc dia c'était AFRK qui t'ai approché nous, qui t'ai demandé nous pour nous faire sondage ça pour yo. Nous c'est un film TV, j'ai dit à qui les DDG. Nous avons fait activité ça en Haïti, enquête, évaluation projet, renforcement capacité entreprise depuis année 2012. Nous travaillons pour un peu l'institution nationale, internationale. Nous travaillons pour plusieurs institutions dans le gouvernement et le pays d'Haïti comme consultant, comme firme privée. Et nous travaillons tout pour un peu l'institution internationale. Donc, nous sommes une firme connue dans le pays IA et qui a l'habitude faire genre de travail ça. Donc enquête ça a été faite dans commencement mois de janvier. Nous t'ai commencé exactement le 6 janvier 2023. Alors, parce que nous connaissons un peu le problème sécurité dans le pays là, donc nous t'ai obligé à ajuster façon nous faire enquête. En général, nous plus faire enquête porte à porte. Ça veut dire nous aller kay moun yo, nous mandé est-ce que vous voulez participer dans enquête et puis nous gien enquêteurs qui posent aux questions. Mais pendant qu'on a fait collecte de données ça depuis plusieurs années, nous mandé moun yo tout est-ce que vous voulez partager numéro téléphone avec nous. C'est comme ça nous gien base de données qui gien plus passé 5000 numéros de téléphone natcom avec Digicel, moun qui participer dans enquête nous habitué fait dans pays a té ban nous volontairement. Donc pour nous te gagner 5000 numéros de téléphone ça yo, et bien, il y a sorti un processus scientifique rigoureux dans le choix du monde qui peut participer dans l'enquête. Les nous faisons enquête, nous utilisons ça, les méthodes aléatoires. Ça veut dire, n'importe quel monde dans la région, quand on a fait enquête là, il y a une chance pour y participer là-dedans. Principe statistique qui guide le travail, nous, il dit nous qui gens pour nous faire, pour nous calculer qui quantité de monde nous besoin dans l'enquête là, par rapport à degré de confiance que nous voulons gagner là-dedans, et puis par rapport à fiabilité résultat. C'était même principe ça donc qui était appliqué pour enquête AGRK, même s'il était fait par téléphone. Ça me donne même de comprendre, c'est que même s'il est fait par téléphone, mais le numéro de téléphone, ça, on est capable de considérer, il est sorti d'un processus statistique rigoureux que nous toujours appliqué dans l'enquête porte-à-porte, parce que c'est dans l'enquête porte-à-porte, nous te joignons. Donc, nous pensons que le numéro de téléphone, ça, nous choisissons un échantillon là-dedans, sous base même principe-là. Donc, pour chaque département, nous gardons qui estimation quantité de monde 18 ans et plus, qui IHSI fait pour département ça yo, nous appliquer une série de formules statistiques pour nous capable déterminer qui quantité moun pour nous parler avec yo dans tout pays ya, et puis qui quantité moun pour nous parler avec yo dans chaque département. Pour moun qui gen connaissance dans affaire sondage, nous utiliser un degré de confiance de 95% et puis une marge d'erreur de 3%. Ça veut dire que ça n'est pas de résultat on va le présenter nous pour nous là. Donc si nous répéter et même exercice là plusieurs fois nous espérer 95% dans fois nous fait ça et ben erreur là il pas supposé plus que 3% parce que l'échantillon construit sous base scientifique rigoureuse. Donc au total nous avons interviewé 1327 monde. Le bagage m'ta mais dit moun tout c'est que monde qui t'ai fait appel yo t'ai formé OK pendant plusieurs jours pour connaître qui gens pour faire appel yo qui j'ai proposé mon question et ben nous te gien moun tout dans plusieurs zones dans pays d'Haïti disons dans Port-au-Prince qui t'ai participé ça veut dire moun yo pas te gien chance pour te coordonner entre yo pour yo capable mettre résultat yo et puis deuxièmement tout nous gien méthode statistique assez avancée pour nous capable connaître est-ce que données ont été bien collectées ou pas donc moun yo capable faire nous confiance que résultat nous baillons reflète point de vue population haïtienne. Donc, en particulier, moi qui ai 18 ans ou plus, sous problème sécurité qui est dans le pays. Et puis, pour me finir, nous pas te poser mon une question. Et nous demandons, bon, information sur eux-mêmes, par exemple, l'âge, et qui sexe, qui niveau l'école, et puis après ça, nous te posons plusieurs questions clés. Est-ce que vous pensez que PNH a une capacité pour lui résoudre problème sécurité qui posait dans le pays depuis, deux, trois, et année, oui ou bien non. Deuxième question, est-ce que vous pensez PNH a une capacité pour lui freiner activité gang armée dans le pays d'Haïti? Et toujours oui non. Troisième question, est-ce que vous pensez PNH a besoin de support l'armée d'Haïti pour lui capable de mettre l'ordre et avec sécurité dans le pays? Quatrième question, est-ce que vous pensez ok et PNH a besoin et soutien et l'armée d'Haïti
pour capable mettre gang armé en déroute, oui ou non? Et puis, est-ce que vous pensez, est-ce que vous en faveur, une intervention en force internationale qui pourrait aider dans la question sécurité dans le pays, oui ou non? Et puis, est-ce que vous pensez que la police besoin soutien en force internationale pour capable résoudre problème sécurité et puis problème gang armé, oui ou non? Après ça, nous demandons, est-ce que pendant et depuis l'année 2021 jusqu'à la période d'enquête là qui est faite, donc janvier 2023, est-ce que tu as des gens qui ont été kidnappés? Est-ce que tu as été kidnappé eux-mêmes? Est-ce que tu as été kidnappé voisins? Est-ce que tu as été kidnappé collègues? Est-ce que tu as assassiné les gens dans le quartier de la caillou? Est-ce que tu as assassiné collègues? Est-ce que tu as assassiné les gens dans la famille? Et puis, qui conséquence insécurité a été gagné sur eux-mêmes personnellement, dans l'activité et entre l'agent, déplacement, sur tout territoire national là? Déplacement pour aller à l'activité sociale, pour aller à l'église, ok. Et puis nous demandons tout. Est-ce que par exemple tu es victime question agression sexuelle pendant la période là? Est-ce que tu es contre monde qui était victime agression sexuelle? Et puis est-ce que tu es contre monde qui était victime agression physique pendant même période nous t'a parlé et tout à l'heure là. Voilà. Okay. Donc globalement c'est comme ça et sondage là t'es réalisé. Ok. Tout à l'heure nous allons venir résultat ou bien réponse avec question ça yo, mais nous plusieurs explications que nous avons mis dans la main, où 1327 personnes interrogées. Est-ce que, et comment répartition est par département? Est-ce que, nous faisons répartition, en fonction de taille département, nous choisissons combien de monde n'a posé question par département? Deuxième question. Exactement. Ok, oui, allez-y. Je vous permets de répondre ça bien rapide. Mm. Alors, effectivement, oui. Parce que, enquête, les représentants, dans le langage statistique, nous dit les représentatifs au niveau national. Représentativité a lié à plusieurs niveaux. Il y a question répartition entre garçons avec filles qui répondent question. Deuxièmement, tout qui quantité moun nous te choisi par département. Par exemple, département l'Ouest, nous connaissons ces départements qui gagnent plus moun dans pays. Donc, si enquête la représentatif, nous supposons gagner plus moun dans département l'Ouest. Donc, nous avons 442 moun sur 1327 ça qui sortit dans département l'Ouest à cause quantité moun qui gagne dans département l'Ouest. Par exemple, dans département la Tibonite, nous gagnons 188 moun qui t'ai participé là dans l'île. Dans sud, nous gagnons 124 moun. Département centre et nord-est, nous gagnons 166, etc., etc. Donc, 1327 là, nous distribuons au niveau département yo, en fonction, j'en ai dit, la taille département. C'est-à-dire, quantité moun, 18 ans et plus, IHSI estimé qui gagne dans chaque département, ça y est. Ok. Maintenant, est-ce que nous t'es pris en compte le fait que gagne deux départements qui plus exposés, qui plus subis insécurité à qu'un l'autre? Non. Parce que si vous faites le constat dans la gage statistique, il y aurait ça, ou introduit, ça aurait les biais dans l'étude. Ça veut dire que nous-mêmes, comme experts, nous pas partis avec aucune hypothèse. Mm-hmm. Nous pas partis avec aucune hypothèse que gagne plus problème sécurité dans le département l'Ouest ou bien que dans l'autre département. Non. Nous quitter ces résultats qui révélaient perception mondiale. Okay. De l'OAF, une enquête statistique, si vous voulez enquête là, li fiable, li représentatif, ou pas capable de mettre aucune hypothèse sous li. Donc, nous faisons comme si nous pas connaissons rien du tout. Nous, tout simplement, choisir et de choisir quantité mounio de façon normale, selon n'importe enquête. Okay. Seule considération de sécurité nous fait là dans les, c'est que nous juste pas voué mounio aller et souterrain parce que nous t'es entendu avec commanditaire là. Nous capable pas faire par téléphone. C'est une enquête qui est aussi fiable que s'il était fait et en personne. Mais pour question de sécurité mounio, pour protéger vio, nous pas quitter ou déplacer. Mais autrement, non, pas d'aucune considération comme ça qui était faite. Pour nous pas introduire un biais de sélection en langage statistique. OK. Maintenant, quid de formation population interrogée? OK. Nous t'ai parlé avec vous. Donc, nous t'ai gagné, nous n'avons pratiquement chaque niveau formation en général nous considérer. Par exemple, il y a 7% de monde dans l'échantillon qui dit, yo pas à l'école du tout. Donc, yo pas qu'on ni ligne ni écrit. Il y a 19% là-dedans qui dit, yo t'ai fait l'école primaire seulement. Gagné 42% qui dit, yo t'ai fait l'école secondaire. 17% qui fait l'école technique ou bien l'école professionnelle. Et puis 14% là-dedans, tu dis, tu as une chance pour y passer dans l'université. OK. Maintenant, on va regarder les résultats et sondage-là en fonction de questions qui étaient posées. OK. Est-ce que vous voulez m'aller dans l'ordre de des questions tout à l'heure? Oui. OK, d'accord. Première question, nous demandons, Mounio, est-ce que vous pensez la police nationale d'Haïti a une capacité pour les capables d'établir l'ordre avec sécurité dans le pays. 71% dans 1327 mounio dit non.
yo pa kwe la police gen capacité pour li résoudre problème insécurité donc pour li restaurer sécurité avec l'ordre dans le pays. Donc seulement 27% moun pense la police capable remettre l'ordre, remettre sécurité dans tout territoire pays d'Haïti. Alors en général dans tout département yo, c'était même tendance là. Excepté département NIP côté te gen plus moun qui te kwe la police capable mettre l'ordre avec sécurité dans le pays. Alors 40% moun. Mais globalement pour tout pays, pour toutes 1327 moun yo, plus passé 70%. Ça veut dire sous chaque 100 moun nous parler avec yo, plus passé 70 dit yo pas quoi la police est capable mettre sécurité dans le pays. Ou bien sous chaque 10 moun nous parler avec yo, plus passé 7 pas quoi la police gen capacité gen moyen pour les capable rétablir l'ordre dans le pays. OK. Donc et de façon globale, pas de trop différence en par rapport avec l'âge moun yo. OK? Mais garçon t'es plus gen tendance pour te croire que la police pas capable mettre l'ordre dans le pays parce que fi. Et puis moun qui pas à l'école du tout avec moun qui fait l'école primaire puis l'école secondaire ou bien l'école professionnelle, yo te gen plus tendance tout pas quoi dans la police que moun qui te fait université. Deuxième question nous t'ai posé, est-ce que vous pensez la police capable résoudre problème gang dans le pays? Eh ben là nous poser une question ça, eh ben en plus moun encore 74% nan et 1327 moun yo di non, yo pa kwe la police la capable résoudre problème gang nan peyi a. Seulement 26% la dan yo pense que la police gen capacité, gen moyen pour li kwape activité gang nan peyi a. Et nan même département côté te gen plus moun ki te pense la police la capable résoudre problème sécurité a, mais lò vini avec question gang armé avec yo, eh ben plus la dan yo gen tendance pour yo di non, yo pa kwe la police la capable résoudre problème gang armé. Donc 74% moun nan population, c'est pratiquement et 3 moun sous 4 moun. Donc son chiffre qui très très élevé. Là nous garder li par exemple, mais pratiquement te gon consensus en garçon avec fille, yo te d'accord que PNH pas gen possibilité pour li résoudre, li pa gen moyen pour li résoudre l'activité gang armé. C'est même bagaille là tout, c'est réponse pas vraiment varié par rapport à l'âge moun yo. Okay. Même si moun ki pi jeune yo ki gen 18 en 18 et 24 ans, yo te légèrement gen plus gen tendance à plus pas quoi dans capacité PNH là pour les résoudre problème gang armé. Alors là nous garder les résultats. Pour ça c'est fait. On va aller au TKC plus rapide, on pas besoin ban nous considération sur l'âge et sur sexe et sur catégorie. Ban nous plutôt et pourcentage de monde qui répond avec question par oui ou par non. D'accord. OK. L'autre question nous t'ai demandé yo par rapport à réponse avant yo. Quand nous t'ai demandé est-ce que vous pensez que la police a besoin et l'armée d'Haïti pour capable et couper activité gang. 80% moun yo te dit oui, la police a besoin support l'armée d'Haïti. Seulement 20% te pensé que la police pas besoin support l'armée d'Haïti pour résoudre problème gang armée. Et puis nous t'ai demandé yo tout est-ce que yo d'accord pour ta gen force internationale qui vini dans pays a pour aider avec quelque sécurité gang armée. 69% nan moun yo t'es d'accord, yo dit oui, yo ta pour qui gon force armée qui entre dans pays d'Haïti qui pour aider avec problème sécurité, problème gang armée. Nous te mandé tout, est-ce que vous pensez par exemple pour question gang armée spécifiquement, est-ce que vous pensez la police nationale a besoin appui en force internationale pour résoudre problème sa gang armée? 79% d'entre eux dit oui, la police là besoin appui en force internationale pour résoudre problème de gang armée dans le pays, seulement 21% pensaient que la police pas besoin ça. Et là, nous demandons, qui l'a pensé pour force ça à venir dans le pays, et bien 86% là, nous te dit, c'est non, et immédiatement. Ça veut dire, dans le même moment, nous avons fait enquête là. Okay. Et puis 13% te pensaient que ça n'a pas été prendre plus passé 3 mois. Et puis seulement 2% te pensaient que ça a été capable de tenir entre 4 et 12 mois. Donc ça veut dire, plus fort, nous pensaient que c'était un besoin urgent que la police a été recevoir en appui aux forces internationales pour résoudre le problème gang armé. Quand il y a la demande de question personnelle, est-ce que tu es victime de kidnapping? Eh bien, en plus là-dedans, 13% dit que y a des gens en famille qui sont victimes, 12% de collègues, et 9% de voisins. Et puis, par exemple, dans la question assassinat, 11% là-dedans te dit y a des gens dans le quartier qui ont été assassinés, 11% te dit y a des gens en famille qui sont victimes de question assassinat, 7% voisins ont été assassinés, 5% et ont été collègues assassinés. Donc, pour nous finir,
principal problème moun yo te di yo avant avant d'aller finir professeur et partie ça li intéresse nous et 13% 11% 7% de moun qui répond à une question et personnel gen des moun qui était capable penser que son chiffre qui est assez bas mais dans la réalité c'est inquiétant non. Oui, alors effectivement, par exemple, bon exemple, dans le domaine épidémiologie, par exemple, domaine maladie, automatiquement, au gros chiffre, on maladie qui affecte 1% ou bien 2% en population, yo considéré comme un phénomène inquiétant. Parce que n'a pas parlé là d'un problème qui est extrêmement grave. Okay. Effectivement, nous pas qu'à comparer les chiffres, ça y avec perception mounio par rapport à capacité PNH là pour les résoudre problème de sécurité. Ok, c'est pas même bagaille du tout. Parce que kidnapping, si on bagaille qui grave, nan, on cas idéal, nous t'avons les chiffres, ça y a 0%. Donc, 13% moun ki dou yo, gen moun la kayo ki victime kidnapping, 12% ki dou yo gen collègue yo yo te kidnappé, 9% ki dou yo te kidnappé yo même, chiffre sa yo inquiétant, extrêmement, extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire, ok, gon problème grave, c'est que t'es napé ya. Ma foi, juste un petit coq, si on te dit 9% ki dou yo te kidnappé, non, 9% ki dou voisin yo te kidnappé, et puis 2% ki dou yo même personnellement yo te victime kidnapping. Effectivement, merci pour remarquer là, ça c'est un problème inquiétant. Mm-hmm. C'est même bagay tout pour question Zak assassinat. 11% moun dou nan kati la kayo, yo te, ok, témoin Zak assassinat sou moun, ok, ki nan kati la kayo, 11%, c'est un chiffre alarmant. Ça, n'a parlé de situation pratiquement au pays qui n'ont situation de guerre. Mm-hmm. Pratiquement au pays qui n'ont situation de guerre, ça, pas yon chiffre normal du tout. Tout à fait. Et gen moun qui t'a même parlé de yon situation de terrorisme urbain dans le pays. Ok. Maintenant, les autres questions, pour finir. OK. Et puis finalement nous demandons moun yo qui impact insécurité a te gagné sur question à faire liberté yo pour déplacer pour aller travail. Et bien 70% de moun yo te dit que à cause problème gang armé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là en général ça fait que yo pas gagne liberté yo pour déplacer pour aller les affaires yo. OK, 65% dit que OK problème gang armé sur route nationale là fait yo pas capable traverser pour aller dans département sud ou bien pour sortir dans sud pour venir dans l'autre département yo. 56% dit nous que et ben à cause mon présence gang armée dans pays d'Haïti et ben yo gen difficulté pour déplacer pour aller travail. 56% dit yo gen problème tout pour capable OK prendre route nationale pour aller dans département centre ou bien dans département la Tibonite et puis 55% monde dit nous tout à cause problème gang armée et ben yo gen difficulté même pour circuler dans quartier côté yo rete. Ouais, donc un problème extrêmement grave. Et puis, qui conséquence a gagné sur activité et sociale, yo, et puis activité rentrer l'argent, yo? 83% moun dit, à cause problème sécurité qui gagne dans le pays, ça fait que yo fait moins l'argent, parce que quantité l'argent, yo, t'es qu'on fait avant. Moi, capable confirmer, nous, que si ça, nous, là, nous faisons l'autre enquête. Après, nous t'es fini faire enquête et nous t'es fini faire sondage, ça, pour une autre organisation, pour nous évaluer conséquences économiques, ouais, problème sécurité à sous moun yo et ben chiffre ça me capable confirmer nous l'autre enquête nous fait à tout les révéler même bagaille là moun en pile moun dit yo perdu travail yo perdu activité yo à cause problème la trouble qui gagne dans pays par exemple 62% moun dit yo était obligé camper activité yo était fait qui pour capable bailler l'argent pour tête yo ou bien famille yo 28% moun dit yo perdu travail yo parce que yo pas ca déplacer yo pas ca le travail yo obligé perdu lit 24% moun dit yo obligé abandonner activité social yo te kon fait tankou à l'église tankou nan rencontre association tankou activité et sport par exemple yo obligé camper ça. Okay. Et puis on l'autre chiffre inquiétant tout on l'autre chiffre qui extrêmement inquiétant 20% moun dit yo te obligé quitter zone côté yo te habité avant à cause activité gang armé dans pays d'Haïti. Okay. Donc on l'autre gros tonton chiffre encore 20% moun qui obligé déplacer quitter caillou et me penser en pile nan moun k'ap tande nou la yo comprendre ça n'a dit ya. Parce que, même si tu as fait un micro trop rapide, ou après que ça, c'est une réalité liée. Mm-hmm. Question de déplacement et monde à cause de problèmes de sécurité. Pour ce Zéphir, enquête là, c'est AGERCAM, Alliance pour la gestion des risques et la continuité des activités, qui t'est commandé lui. Il t'est commandé lui un objectif spécifique pour te faire une présentation dans le cadre de conférence débat sur la sécurité. Il y a plusieurs associations patronales qui t'ont participé dans la conférence là. Il y a des gens qui t'ont posé question sur l'indépendance enquête là, parce que, et généralement, je pensais que toute entreprise dans le secteur privé a t'avlé une sécurité à finir. Donc, ça, t'as capable d'orienter et monde qui a répondu
professeur, quid de indépendance et enquête que vous avez fait pour AGRK et ces dernières questions que nous avons fait avec l'entrevue? Ok, ça me capable de dire, et effectivement, c'est une préoccupation qui est légitime parce que AGRK est regroupé des associations patronales. Ça me capable de dire, nous-mêmes, comme firme privée, nous sommes une firme indépendante. Oui, nous sommes une firme privée indépendante. Nous n'avons pas aucune chambre de commerce, nous pas membre aucune chambre de commerce. Nous pas membre aucune association patronale, nous pas aucune affiliation avec yo, nous pas jamais recevoir aucun l'argent et n'a même aucune association. Seul bagage c'est que mais AGRK a payé nous pour nous faire enquête là pour yo parce que nous-mêmes nous sommes une entreprise tout. Moi-même et Luc Nizéphir qui était dirigé enquête ça, moi son professeur université depuis plusieurs années et en tant que tel moins gagner des normes éthiques m'obliger à respecter comme professeur d'université. Par exemple, si moi je fais un travail pour ça comme professionnel, même s'il n'est pas entré dans le cadre universitaire, mais il est considéré comme travail un professeur qui est affilié à une université fait. Si pas mal, t'as gagné un monde qui t'a découvert que il y a un problème éthique dans la façon dont je fais travail là, eh ben, moi capable de recevoir punition pour ça. Parce que nous, métier, les régis par des règles déontologiques. Okay. Donc, je suis capable de garantir film dans son film privé. Okay. Nous pas même aucun association patronale. Nous pas recevoir l'argent dans mes patrons pays d'Haïti. OK? Ils ont juste payé nous pour nous faire enquête là. Deuxièmement, ils ont pas te dit nous comment pour nous faire. Okay. C'est nous-mêmes qui t'ai proposé, qui j'en a fait. C'est nous qui décidé sous méthodologie. C'est nous qui décidé sous quantité moun n'a pas interviewé. C'est nous qui décidé sous quantité moun n'a pas interviewé par chaque département. Nous-mêmes, nous fait questionnaire. Nous voulons le bail. Ils ont gardé les. Ils ont juste dit nous, est-ce que tu as ramené nous poser plus questions? Okay. Mais ils ont pas orienté questions, ils ont pas changé questions, donc c'est nous-mêmes qui faisons de manière indépendante. Et j'aime dire nous, moi-même, serviteur, nous, Luc Nizéphir, moi, son professeur à l'université, j'ai des bagailles, je ne peux pas entrer là-dedans, yo, par éthique, professionnelle et académique. Merci. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Biaisé, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Zéphir. Bonne journée.